maudit viol est dans l'air, est dans l'air. Nye bedae, nye mouti vyo e dan lem lo. Lan nye bedan lo, nye mouti vyo e dan le. Nye mouti vyo e dan le. Nye mou desan e dan le. Nye mouti vyo e dan le. Nye mou desan e dan lem lo. E to nye bedae, nye mouti vyo e dan lem lo. Lan nye bedan lo, nye mouti vyo e dan le. Ma ou kala de kbeleji, danyi do we do la de kbeleji da siwete. Na la mitye, ma ou kala de kbeleji. Ma ou kala de kbeleji, ma ou kala de kbeleji, danyi do we do la de kbeleji sekete. Na la mitye, ma ou kala de kbeleji. Bonsoir à tous, nouvelle semaine, bienvenue dans en fait de la télé, le tout premier numéro de la semaine, donc merci pour votre fidélité et portez-vous en tout cas très très bien. On vous souhaite une excellente semaine d'ailleurs sur la première et aujourd'hui Cinésique, salle de bois, nouvelle formule avec un invité sur le plateau. Eh bien, on fait d'abord le tour. Bonsoir Kevin. Bonsoir Magda. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. En tout cas, moi je vais super bien. Je
pense de même, que je pense que vous aussi vous allez super bien. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine de travail, beaucoup de sérénité, beaucoup de force. Voilà. Jacques sera là dans un instant et dans son langue de bois. On va parler de votre personnel, comment gérer sa peur. Et pour en parler, pasteur Jeff Sindinatom, bonsoir. Bonsoir ma gloire et bonsoir à tous les spectateurs. J'espère que ce soir vous êtes câblés et vous aurez vraiment des éléments qui vont transformer votre vie. Et la peur ne sera plus quelque chose qui va vous faire peur, mais plutôt ça va vous pousser à avancer. Allez, très bien, voilà. Merci en tout cas d'être là pour partager ces moments avec nous sur ce plateau. Avant donc d'aborder ce sujet, quelques sorties de vidéos et de films. Kevin, et on commence avec le jeune Béninois Nicanor. Voilà, Nicanor qui est sorti de l'ordinaire, valorisant le Bénin et la destination culturelle béninoise à travers cette nouvelle vidéo. Un clip tourné au nord où on voit les Tata Somba, des moyens de déplacement des habitants de cette partie du Bénin, les magnifiques chutes d'eau et les accoutrements. Et qui parle de la culture béninoise parle forcément de la culture togolaise parce qu'on est lié par cette même culture. En tout cas, belle vidéo de Nicanor pour annoncer 2020 en toute sénérité. Regardez, il y a un coaché et on revient. Ouais, on m'y fait un beau de quand y'a roux. Pas mon envie n'a ni nous de. Ouais, on m'y ronge de. A son nez y'a zéné. Wali nous mini y'y nous con. Malon nous met des sous-sous. N'y ka y'a un ami y'o. Do, y'a non sous n'y ka nous met di. Mêlé y'a non comédie. N'y ka y'a re wak befi. Et bande, y'a ni la mina. Me da nuvano, bolo mi da teleno. Ye da jile ye ma donu de, bolo mi da yatano. Wakpo, ni ko anami yonjena. Adanu ye ze wakoli, anasoka mi ache. Koli ona ye ze wane, ba ete wele kuche me mau. Kwalo nu mi bo, halina wakumya ye. Adonu mendele. Voilà, c'était à l'instant le jeune Nicanor et pour la suite Ikenja Fakoli, le vieux de la vieille. Allez, nouvelle vidéo, We Love Africa. Originaire de Dieuné, est né le 23 juin 1968, Tikenja Fakoli est une référence de la musique reggae dans le monde entier. Très très dynamique dans son style. En tout cas, c'est un artiste qui, en 2019, nous a déjà dévoilé son dernier album intitulé Le Monde est chaud. Et pour marquer sa rentrée artistique en 2020, il nous dévoile sa toute nouvelle vidéo intitulée We Love Africa. Regardez et on revient. We love Africa, we love. Me say we love Africa, we love Africa, we love. We are African, proud to be African. And we are black men, proud to be black men. When I wake up in the morning and I see the sun shining, thank you, Granddaddy, 'cause you made me African. We love Africa, we love Africa, we love.
We say we love Africa, we love Africa, we love. We have been slaves for 400 years. When colonization came, it came to the black men. When I wake up in the morning and I see the sun shining, I say thank you granddaddy, but we are still fighting. We love Africa, we love Africa, we love. We say we love Africa, we love Africa, we love. Voilà, We Love Africa, Chikenja Fakoli, et la suite avec Sonley, Inov, Diamond Platinums, Ariel Chenet et l'ensemble. Ça a donné My Way Remix. Oui, voilà, c'est une collaboration de dernière minute entre Stanley Eno du Cameroun, Diamond de Tanzanie et Ariel Chenet de la Côte d'Ivoire. Une vidéo qui témoigne du brassage culturel et rythmique entre ces trois pays. My Way Remix, regardez tout juste l'extrait et on revient. King Kong. Oh, yeah, let's hear that. Stuff that you get. Stalling in all the time. Me, I define my way. My brother, find your way too. Life now turn my tongue. You may have put Baba Sorti. Me, I define my way. My sister, find your way too. Life now turn my tongue. You may have put Baba Sorti. So just follow me, yo. So just follow me, Moi là tu me wanda wanda. Nous on sort de shop, on fait que fala fala. Quand tu sais au quoi tu fais que hala hala. Il de hala hala, il de hala hala. Moi là tu me wanda wanda. Nous on sort de shop, on fait que fala fala. Quand tu sais au quoi tu fais que hala hala. Il de hala hala, il de hala hala. Tous les jours on boulot, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là, l'amour là. C'est Dieu qui donne. Tous les jours on blow, on ne dort pas. Le jet est privé, moi je veux ça. L'amour là, l'amour là. C'est Dieu qui donne. Me a de family way. My brother find your way too. Love not time by time. On t'a pas tapé tout. Me a de family way. My sister find your way too. Love not time by time. On t'a pas tapé tout. Now follow me, yo, 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 yo. Where I'm from, yo, 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 yo. Papa bless my mama. Oh yeah, bless my papa. Bless all my friends, sunny bender forever, forever. My body get a nali. No, no, you pick on me, oh. Weze sholo kuma weze kuweza, kuweza. Oh yeah, I, money follow me, follow, follow. I, baraka follow me, follow, follow. Tous les jours on boulot, on est d'accord. Le jet est prévu, moi je veux ça. La mola, la mola. C'est Dieu qui donne. Tous les jours on boulot, on est d'accord. Le jet est prévu, moi je veux ça. La mola, la mola. C'est Dieu qui donne. Me find my way. My brother find your way too. Life not tant but time. Demain pour toi va sortir. Me find my way. My sister find your way too. Life not tant but time. Demain pour toi va sortir. So just follow me to our way. Yeah, yeah, ah, hey, hey. So just follow me to our way. Yeah, yeah, rapid. Vaya bonhomme. Mola, qu'est-ce qui te rend comme ça là? Depuis tu parles, tu te décides pas. C'est l'homme qui a peur, sinon y'a rien. Depuis quand elle nous s'y l'aime. Dans le début, c'est gay, à tes malais. On n'a pas peur du soleil, mollo, mollo. On va remplir le sac pour toute la mifa. Chacun son baraille. Polé, 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 où ta fika. Voilà, My Way, My Way Remix.
Ça a donné une belle sauce. Bon, c'est... Et on termine avec la sortie, sinon l'affiche du cinéma Scandale. Ouais, Scandale. Oui, de Roche, qui sort ce 22 janvier. Voilà, inspiré des faits réels, Scandale nous plonge dans les coulisses d'une chaîne de télévision ainsi puissante que controversée. Des premières étincelles à l'explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l'inacceptable. Rendez-vous ce 22 janvier en salle. C'est parce que tu n'as fait pas. On va voir ça dans la bande-annonce. Ok. Tu dois adopter la mentalité du flic de base irlandais. Le monde est un véritable enfer, ses habitants sont des crétins paresseux, les minorités sont dangereuses, le sexe c'est mal mais intéressant. Et demande-toi ce qui fait peur à ma grand-mère ou ce qui met les nerfs à mon grand-père et tu tiendras un sujet pour Fox. C'est tellement évident. Les femmes sont partout. Elles jouent même au tennis et au golf. Les RH appellent parce que tu m'as traité de femelle. Oui, il va falloir que je relise le manuel. Le comportement hors caméra était bien pire. Tu es anti-mec, il faut que tu apprennes à vivre avec les hommes. Tu es sexy, mais t'es pénible. Regardez, j'en ai toute une liste. Vous croyez que d'autres femmes vous suivront ? Peut-être avez-vous entendu parler d'un différent m'opposant au candidat à la présidence Donald Trump. Il y avait du sang qui sortait de ses yeux, du sang qui sortait d'elle, de partout. Oh putain, est-ce qu'il est en train de dire que j'étais énervée à cause de mes règles ? C'est moi le centre de l'histoire ? Non. Je vais faire la une ? Non. Le public n'arrête pas de regarder parce qu'il y a un conflit. Il s'arrête de regarder quand il n'y en a aucun. Je veux vous convaincre que je suis faite pour être à l'antenne, Monsieur Hales. Je pourrais être un atout phénoménal sur votre chaîne. Je pourrais faire en sorte que vous deveniez un élément phare de notre groupe. Mais je dois être sûr que vous êtes loyal. J'ai besoin que vous trouviez un moyen de me le prouver. Tu sais pourquoi Roger verrouille toujours la porte de son bureau ? Il faut que quelqu'un parle, il faut que quelqu'un se révolte. Gretchen Carlson, la présentatrice vedette de Fox News, a lâché une bombe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va détruire ma chaîne. Tout le monde met le t-shirt pour soutenir Roger. Enfile-le, vas-y toi aussi. C'est la fin d'une époque. Tu comprends bien que je dois rester en dehors de ça, hein ? Et toi, t'as compris que le pays tout entier ne parle que de tes règles ? Ma chérie, les maîtres mots ici sont sécurité et vérité. Bien, monsieur. Prête à entrer en guerre ? Oh oui. Voilà, très bien. C'était l'affiche de ce film Scandale qui sort. Très bien. Après demain. Ouais, le 22 janvier. Merci, Kevin. Jacques, bonsoir. Bonsoir, Magloire. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Vous ne savez pas comment ça peut faire quand tu es sur un plateau. Tu n'adresses pas la parole. C'est sérieux. C'est comme tu violes. Non, pas viol. Tu voles la vienne. On sait que tu as volé, mais on ne te dit rien. Tu ne sais pas si le prochain repas qui arrive, si tu fais partie de ce que tu as à qui on va donner encore de la viande ou pas. Ça ne te dit rien. En tout cas, bonsoir. J'espère que votre week-end a été intéressant. Bonsoir à tous. Comme ça, c'est comme ça. Allez, merci en tout cas. Bienvenue à toi. Une pause et après, on va donc voir comment gérer, surtout surmonter sa peur. Ce sera avec le pasteur Jeff Sinatom. Vous restez avec nous. Une pause donc avec d'abord le spot qui annonce le concert du groupe mythique Kassav. Et juste après, on vous offrira une belle vidéo également de ce groupe et on se retrouvera derrière. À tout de suite.
Vivez l'événement incontournable de ce début d'année, le groupe Kassav en concert live à Lomé. Sous le haut patronage du président de la République, son excellence Faure et Sazimna Niasingbe, le groupe Kassav fête ses 40 ans à Lomé à travers deux concerts géants. Le 31 janvier 2020 à l'hôtel 2 février à 19h pour le grand show VIP, entrée 60 000 francs. Et le 1er février, le grand public est convié au stade de Kégué à partir de 13h avec toute une panoplie d'artistes invités et plein de surprises. L'entrée au stade de Kégué est gratuite. Les tickets sont disponibles au 00 228 70 23 49 49 ou 96 52 79 79. Concert géant du groupe Kassav à ne pas rater. Même si mon pouce souffert, mon pas du travail, où j'avoue n'être moins, en qu'est-ce qu'on est. We'll be right back.
Voilà, souvenir. Pour ceux qui ont connu ces bons moments, eh bien, je suis sûr qu'ils ont eu encore des frissons, Jacques. Mais ce qui est sûr, pour ceux qui n'ont pas connu cette époque, eh bien, ça sera une découverte. Donc, ici au stade de Kégué, puisque c'est ouvert au public, c'est gratuit. Et là, pour ceux qui ont des moyens, là, c'est pour le spectacle VIP à 60 000 francs. Mais on va se concentrer sur le. sur le stade de Kégué. J'ai une astuce spéciale pour tout le monde, pour nous les jeunes. Vous savez que le 14 février, c'est la fête, en tout cas, c'est la journée consacrée à tous les amoureux. Ben, puisque Kassav chante de l'amour, ben, profitez, offrez-vous cette soirée et puis c'est terminé. Le 1er février, ça fait 14 oui, février. Le 1er février, bon, voilà. Et c'est terminé. Le 14, personne ne va attendre un autre cadeau. Voilà. C'est pas sérieux. Oui. Jacques. Voilà, allez, très bien. Un peu de Nemo, donc pour attaquer le sujet qui est sur le plateau cet après-midi, Jacques. Oui, comment réussir à vaincre sa peur? Parce que souvent la peur nous paralyse. En tout cas, on est nombreux, nous qui avons souvent peur. En tout cas, si tu te reconnais, assois-toi encore, parce qu'aujourd'hui peut-être tu auras la solution que tu cherchais à chaque fois pour pouvoir à tout prix surmonter tes peurs. Parce que, comme on le dit, la peur nous empêche d'oser à un certain moment. On a toujours peur de quelque chose. On a toujours peur de quelque chose, que ce soit l'échec ou de quelqu'un ou d'un public. À un certain moment, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose qui nous traumatise, ou on a toujours peur peut-être de l'échec ou de quelque chose. On a habituellement, chaque année en tout cas, tout le monde attend de voir par exemple l'élection de la fille la plus belle au Togo. Mais quand par exemple certaines arrivent sur le podium, elles se rendent compte qu'elles sont influencées par le public. C'est la peur du public. Et comment réussir à pouvoir s'adapter à tout cela? Il y a plusieurs stratégies pour le faire, et j'espère que notre invité nous permettra de pouvoir, à partir de ce soir, réussir à adopter de nouvelles stratégies et se gagner à tout cela. Ça, c'est important. Avoir peur. Oui. Avoir peur. Quand Jacques parlait, la peur a noyé beaucoup de destins. La peur a fait que ce que les gens pouvaient faire, ils ne l'ont pas fait. Et à un moment donné, ils ont regretté toute leur vie. Il y a peut-être certaines personnes âgées aujourd'hui, ils vont regretter. Il y a des larmes même qui vont couler sur certains visages. Parce qu'il fallait oser à un moment donné. Mais à cause de la peur, ils ne l'ont pas fait, ils n'ont pas pris la bonne décision. Et c'est parti. Parfois, il y a des opportunités uniques dans la vie. Et quand tu ne saisis pas l'opportunité, c'est fini pour toi. Donc, à cause de la peur. La peur, au fait, fondamentalement, ce n'est pas quelque chose de mauvais. La peur, c'est un sentiment naturel que Dieu a mis en nous. Mais il y a d'autres qui disent, ben moi, j'ai jamais peur. C'est pas vrai. La peur, nous avons quatre sentiments. Il y a la colère, il y a la joie, il y a la crainte et la peur est là. Donc, ce sont des choses naturelles que nous avons. Au fait, la peur est un élément fondamental dans la vie de l'homme. Quand, si vous n'avez pas peur, c'est que vous êtes malade. Parce que ça contrôle notre instinct de survie. Le courage. Oui, je vous donne un exemple. Ok. Si par exemple tu es dans une structure et tu sais qu'on ne va jamais te chasser, c'est que tu n'auras pas peur pour pouvoir bien faire le travail. Juste pour. C'est un exemple. Quand par exemple des fonctionnaires pensent qu'on ne peut jamais les virer et que eux, par exemple, on ne peut que les déplacer de lieu et tout cela, ils ne feront pas bien les choses. Mais quand tu es dans le secteur privé, tu sais qu'à la fin, on te demandera le bilan, les résultats. Tu auras peur. Et tu feras bien les choses qu'on te demande. C'est tout. C'est moi, je ne fais pas, je ne travaille pas, je ne m'améliore pas, je ne suis pas performant et peut-être que je ne serai pas là-bas tout le temps. Peut-être celui qui me court ne sera pas là aussi tout le temps. Un jour, je ferai face à mes responsabilités. Donc, comme je le disais, c'est un sentiment qui est là, en fait, qui nous protège. C'est un sentiment pour notre survie. Chaque être humain ou bien les êtres vivants ont ce qu'on appelle l'instinct de survie. Ce qui fait que vous ne tombez pas dans les dangers ou bien vous évitez les dangers. En fait, la peur est là, normalement, biologiquement, physiologiquement, pour nous empêcher de tomber dans les dangers, pour appréhender quelque chose qui peut nous arriver.
Maintenant, quand la peur devient pathologique, c'est ça que c'est grave. Parce qu'en fait, la peur qui cause des problèmes, c'est la peur pathologique. Ça devient carrément une maladie et ça nous empêche d'avancer. Et je crois que c'est ce dont nous voulons parler ce soir. Sinon, avoir peur... Il y a ça arrive à certaines personnes. Bien sûr, bien sûr. Tout le monde... Et comment ça se manifeste? Oui, en fait, quand je mets le dictionnaire là, oui. Il dit, c'est un sentiment de forte inquiétude, d'alarme, en présence ou à la pensée d'un danger, d'une menace ou d'un état de crainte, de frayeur dans une situation précise. Donc, quand vous faites face à une situation, l'incertitude, vous avez toujours la peur. Et la peur, ça vient de quoi? C'est l'adrénaline. C'est-à-dire que le système nerveux... a peur, donc ça c'est créé l'adrénaline de votre votre cœur va commencer par faire quoi? Battre très fort. Par battre très fort. Et là, vous êtes étouffé. Parce que la peur, quand ça se manifeste, c'est toujours avec des actions. Ça se manifeste physiquement. Okay? Avant que la peur ne fasse quoi, ça se manifeste physiquement, votre rythme respiratoire va commencer à s'accélérer. D'autres personnes vont suer. Il y a certaines personnes qui vomissent même. Moi, parfois, ça me paralyse. Je ne peux même pas marcher. Ça dit que tu veux te lever, mais ça dit que ça te ramène là où tu es. Donc, à un moment donné, nous tous, nous éprouvons la peur face à l'incertitude, face à quelque chose que nous ne voulons pas. Et ça, je l'ai bien dit, que ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, quand votre peur est négative, quand vous devez agir, ou bien vous avez déjà traversé des choses dans le passé, et que se basant sur ce qu'elle, vous avez peur d'avancer, alors votre peur devient pathologique. La peur d'être rejeté parce que peut-être vous avez abordé une soeur et elle vous a rejeté. Toutes les filles, certaines personnes, ils sont introverties. Ils ne veulent plus parler à aucune fille parce qu'ils ont peur que le premier rejet là, ils ne veulent pas. Ils ne veulent plus de ce rejet. Et mais tu ne vas pas être célibataire toute ta vie. Mais c'est ce qui arrive. On le voit. Tu dois surmonter. D'autres, les jeunes, voyez, beaucoup de jeunes sont sortis de l'université, ils veulent chercher de l'emploi. Voilà, ils préparent son CV, tout ça là. Ils vont à un premier interview, boum, on le vire, on l'insulte même. Et il ne veut plus aller. Il sort chaque matin, il cherche les cartes pour jouer, il cherche des ludo parce que, au fait, il fait le petit malin. Je peux vous dire que c'est la peur. C'est-à-dire, il a peur d'aller se faire rejeter et il ne veut plus oser. Donc, si ça arrive comme ça et que ça nous bloque, de pouvoir accomplir nos rêves ou bien nos projets devant nous, alors là nous devons commencer à réfléchir pour voir qu'est-ce qui ne veut pas dans notre vie et commencer à travailler sur nous-mêmes. Parce que la peur, c'est pas mauvais, c'est bon de l'avoir, mais quand à un moment donné tu dis que je ne veux pas avancer, je dois recommencer à revoir ma vie. Et c'est ce que j'aimerais partager avec nous. Très bien. Ce qu'on va faire peut-être avant d'évoluer dans nos discussions, on va retrouver quelques amis que Kevin a rencontrés. On verra dans cet élément si eux aussi ont souvent peur et comment ils font pour surmonter leur peur. Il n'y a personne dans ce monde qui n'a pas la phobie, on appelle la peur. C'est inné. Tout le monde a ça. Mais on a peur de différentes choses. Il y a quelqu'un qui a la phobie du chien. Certains ont la phobie peut-être des corps habillés, d'autres de certains animaux et autres. D'autres ont peur à la veille des examens. Sous prétexte qu'ils vont échouer. Déjà, quand tu as la peur en toi, tu vas échouer facilement. Et c'est pas bon. Il faut faire un effort psychologique pour dépasser ça. Peut-être... à la veille d'un examen, vous avez bien appris, mais vous avez peur. Faites tout, dites-vous que vous allez réussir. Et ayez confiance en vous, que vous allez réussir. Et vous allez dépasser cette peur-là. Moi, ce dont je peux avoir peur, c'est de sortir et faire un accident, ou bien mourir, par exemple, ou bien voir quelque chose, par exemple un fantôme. Ça pourrait me faire peur. Quand j'étais petit, j'avais peur du noir, comme tout un chacun de nous. Et en grandissant, on a chaque jour que l'on sort, on voit des accidents et qu'on sort. Donc, quand tu veux sortir de la maison, tu as forcément
une petite crainte en toi. Donc pour surpasser la peur, je crois qu'il faut tout remettre dans les mains de Dieu. Dans la vie, j'ai plutôt un peu peur de trouver à faire, quoi, de trouver un travail. Parce que maintenant, on enchaîne les stages et tout, mais bon, il n'y a pas encore de contrat qui arrive. Mais avec les efforts, avec les stages qu'on effectue et avec la prière, on espère que ça va aller. J'ai peur de parler en public. Pour surpasser cette peur, des fois je reste face à mon miroir et je me parle. Et j'essaie aussi d'intégrer des associations. Oui, des associations de jeunes, oui, pour pouvoir surpasser cela. Ce qu'il ressent, et chacun essaie également de nous dire ce qu'il fait ou ce qu'il faut faire pour surmonter la réaction. Oui, oui. Ça, oui. Vous voyez que tout le monde dit qu'il a peur, donc c'est naturel qu'on ait la peur. Donc, tantôt je disais que quand ça devient pathologique, ça vous empêche d'avancer. C'est là où il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Mmh. Et il faut s'en sortir, sinon vous allez être cloîtré dans votre zone de confort. Il y a certains qui se cachent derrière la peur, ils ne feront rien. Mmh. Ils peuvent même développer des arguments, alors que c'est toujours la peur. Donc, pour pouvoir surmonter sa peur, c'est pouvoir identifier quels sont mes grands sujets de peur. Vous devez appeler AABB. Qu'est-ce qui me fait peur en réalité? Vous avez vu nos auditeurs tout à l'heure, les téléspectateurs, ou bien ceux qui ont passé dans la bande tout à l'heure, ont éprouvé des peurs spécifiques. Ils ont dit que j'ai peur de ceci, cela. Donc, il faut identifier clairement ma peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Et aussi arriver à les classifier. Cette peur-là, est-ce que ça m'empêche d'accomplir une vision, mon rêve, ça m'empêche d'avancer? Donc, les lier à ce que cela fait. Maintenant, tout à l'heure, quand je disais que la peur, c'est un sentiment de négatif, quand la peur vous arrive, vous avez des sentiments, mais des manifestations physiques. Donc, la première chose pour pouvoir surmonter la peur, c'est la respiration. On combat les choses physiques par les choses physiques. Donc, vous devez commencer par réguler votre respiration. Quand votre cœur commence à battre très fort, vous devez tout faire pour pouvoir réguler votre respiration. Vous vous calmez d'abord, vous vous calmez, et après s'être calmé, vous devez commencer par visualiser les aspects positifs de ce qui vous fait peur. Ok, si j'ai peur, par exemple, que si je vais à ce bureau, à ce rendez-vous, on ne va pas me recruter, ou bien on va me chasser. Maintenant, si je gagne cet emploi, ma vie va changer. Je vais aider mon père, je vais aider ma maman, je vais faire ceci, je vais me marier, je crois que ça. Ça dit que vous devez créer un aspect positif de ce qui vous fait peur. Et là, focaliser votre attention sur le positif, ça va vous donner un stimulus qui va vous pousser à agir. Donc, c'est d'abord, il faut arriver à peindre le côté positif de ce qui vous fait peur. Et quand vous concentrez sur cet aspect positif, ça va au fur et à mesure commencer à diminuer quoi, la crainte, et vous allez commencer par avoir de l'espoir, vous allez commencer par avoir du courage pour pouvoir avancer et affronter la peur. Question, mais avant, il y a Noël avec Pozo qui nous écrit. Il dit que la peur, c'est la perte de confiance en soi. Et puis il lit la peur à la pauvreté, je ne sais pas. il dit voilà, la pauvreté à la base. La riche aussi on peut. Hein? Là, les blancs n'allaient pas avoir peur aussi, c'était la pauvreté. Bon, ouais, c'est vrai que c'est pas, ouais. Tous les blancs aussi ne sont pas riches. Bon, attention. Non, quand on parle du blanc, ouais. C'est péjoratif. Hein, okay. Que la majorité, voilà. Donc. Il y a une différence entre la peur et la crainte. Ouais. Oui, bon, la crainte, il y a une nette différence. Voilà. Okay. La crainte, Jacques l'avait dit un temps, en fait, c'est pour nous avertir sur quelque chose, ou bien nous rendre conscients. La peur nous rend conscients, on dit la crainte de Dieu. Quand je crains Dieu, c'est que je suis conscient de Dieu. Quand je crains d'agir, de faire quelque chose, c'est que je deviens plus conscient et j'analyse, je calcule avant d'agir. Donc, c'est ça qu'on appelle la crainte. Mais la peur, autre, c'est que ça nous paralyse, ça nous empêche vraiment d'avancer et de réagir. Donc, il y a une nette différence entre les deux. J'ai une question. La plupart de deux ou trois personnes qu'on a rencontrées ont beaucoup parlé de Dieu. Ok. Ils ont beaucoup parlé de Dieu. Prier. Ouais, est-ce que là, tout entre les mains de Dieu, c'est ça. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Oui, au fait, j'en arrivais. Parce que quand vous avez peur, vous avez besoin
de quelque chose qui va vous surpasser. Ok, donc si vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes un homme de foi, vous avez besoin de Dieu à votre côté pour vous aider à avancer, pour dominer vos peurs. Parce que là, vous placez votre espoir sur quelque chose de supérieur qui vous pousse en réalité à pouvoir surmonter votre peur. Donc quand j'ai peur, par exemple, je prie, je confie la crainte entre les mains de Dieu, ma confiance se place sur Dieu, qu'il est capable de m'aider à avancer. Là, je peux surmonter. Donc, pour surmonter la peur, au fait, il faut nécessairement mettre Dieu au centre de l'équation. Ceux qui ne croient pas vont mettre quelque chose d'autre. Ils vont dire que peut-être le moi, de galvaniser son moi, peut-être. Mais pour nous les croyants, on sait que si vous confiez vos craintes entre les mains de Dieu, il va agir. Parce qu'il est capable de tout faire. Il connaît l'avenir. Il sait le résultat. Il connaît nos finalités, la destinée de toutes choses. Donc quand vous placez votre confiance en lui, vos peurs vont être dissipées et vous allez avancer avec courage. Au fait, la réalité, c'est que quand vous croyez que Dieu est capable de vous faire avancer, vous allez avancer, vous allez pouvoir réussir, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez à cause de Dieu. Maintenant, ce n'est pas aussi scientifique. Mm-hmm. Dieu agit réellement. Ouais. Ok, Dieu est là pour pouvoir aider ceux qui croient en lui. Très bien. Voilà. Un autre revient, hein, parce que cette histoire de peur et pauvreté, bon, apparemment, il y a un lien. J'essaye de comprendre. Il dit, la peur rend l'homme pauvre. Oui, mais à partir du moment où on a peur, peut-être, d'entreprendre, d'oser faire des choses. Je crois qu'il a raison. Mm-hmm. On est pauvre parfois parce que on a tellement peur d'oser, mm-hmm. d'entreprendre. Et si j'échouais? Et si ça n'allait pas? Et si ce crédit, je n'arrive pas à rembourser? Mm-hmm. Et tu ne vas jamais essayer quelque chose. Et ça fait que les gens sont dans la pauvreté. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, excusez-moi, hein, après l'université, sont devenus des charges sociales. Mm-hmm. Au lieu de faire d'initier quelque chose, ils attendent seulement qu'on les aide bien, qu'on les embauche quelque part. Alors, qui peuvent initier quelque chose? Mais c'est la peur. Si j'échouais, si les gens dans le quartier, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ainsi de suite, ainsi. Donc, la peur, au fait, les Africains, 80% de notre pauvreté dépend de la peur d'oser. Nous ne voulons pas oser, nous ne voulons pas prendre des risques, et ce qui fait qu'on est toujours pauvre. Chacun a peur de quelque chose. Mohamed Sawa, lui, là, il dit qu'il a peur des élections prochaines. Mais en toute humilité, il respire. Il faut respirer. Il a qu'à se relaxer. C'est ce que le pasteur disait. Ben oui, en fait, on a peur, c'est parce qu'on prend l'aspect négatif. On se dit, ah, si ça ne va pas bien, peut-être on va commencer par nous chasser et tout cela. Alors que si on prend l'aspect positif, c'est-à-dire qu'il y a les résultats, tout le monde est content et que tout se passe bien, là, nous tous, on va tout accompagner, ce sera positif. Mais si nous tous, on a peur, ce qui veut dire que même le jour de l'élection, on n'ira pas. Et puis, quand il y aura un résultat, on dira que ce sont d'autres personnes qui ont élu une autre personne pour nous. Donc, pensons à la chose positive. Pour moi, c'est important. Quand on parle de la peur tout de suite, il y a certaines situations. Il faut être en face de la situation pour que la situation crée cette peur. Mmh. Est-ce que vous voyez? Parce que moi, je me dis, il y a certaines choses, tu n'as pas peur jusqu'à ce que ça ne tombe sur toi et ça crée une peur. Moi, est-ce qu'il n'y a pas, il n'y aurait pas plutôt un accompagnement avant de vouloir chasser la peur? Je prends un exemple terre à terre. Mmh. Tu accompagnes une personne qui est bien portante à l'hôpital et d'une minute à l'autre, on t'annonce la mort de la personne. Ça veut dire que ça a créé en toi quelque chose de... comme ça devient une phobie, au fait, et tu as peur. À chaque fois quand tu rentres dans cet hôpital-là, tu revois le film et tu as peur. Est-ce qu'il y a, il doit pas y avoir plutôt un accompagnement, ou bien c'est la personne seule qui va faire son propre travail pour qu'elle surmonte, et pour qu'elle surmonte plutôt ça? Au fait, quand ça devient pathologique et aigu, poussé, je pense que tu développes vraiment cette phobie, là tu as besoin d'un psychologue. Mm-hmm. Ok, qui vont prendre du temps avec toi pour te traiter. Tu as besoin d'une thérapie. Mm-hmm. Parce que là, c'est totalement différent de tout ce dont nous parlons ici. Mm-hmm. Parce que avoir peur, en fait, la peur aussi vient des informations que nous collectons. Mm-hmm. Quand vous avez des informations, maintenant votre cerveau traite ça. Si, quand c'est incertain, maintenant
dans notre monde, on fabrique tout autour de nous. Et quand, par exemple, au niveau de la bourse, c'est sûr, on fait les spéculations pour pouvoir essayer de voir quelles sont les matières premières qui sont là, qui ont le prix. Mais la spéculation peut être erronée. Mais les gens vont se baser sur cette spéculation, peut-être pour miser, pour faire quoi que ce soit. De la même manière, c'est comme ça que nous recevons. Si quand les informations nous viennent, peut-être nous croyons que ça va être mauvais. Nous croyons que les élections seront mauvaises. Nous croyons que, voilà, mon mari a découvert le secret, etc. Donc, ces choses, ces informations que nous recevons, qui ne sont pas, au fait, parfois vrai, ça nous paralyse et ça nous empêche vraiment d'avancer. Et si ça s'accumule, ça devient ce que vous avez dit. On a peur à tout moment et on n'arrive pas à surmonter. Là, il faut se faire accompagner. Oui, là, c'est important de se faire accompagner par un spécialiste qui va vraiment vous aider graduellement à sortir de la peur. Maintenant, il y a certains, quand on va par exemple à un examen, ils ont des talismans partout parce qu'on a peur de déchouer et on prononce des mots magiques, mais on ne comprend pas dans les décisions, on prononce ça tous les jours. Est-ce que ça chasse un peu cette peur en nous quand on s'associe à des trucs comme ça? Au fait, je suis dans le monde du foot et je me rappelle toujours de cet exemple où des gens sont partis pour jouer à un match et ils se disent qu'il faut une force extérieure pour gagner ce match. Et puisqu'il y a quelqu'un d'extérieur qui savait que c'est comme ça, il prétendait que c'est quelque chose qui doit les aider, est parti chercher un petit caillou pour leur remettre, pour lui dire que c'est ça le secret de leur rencontre. Ils ont gagné. Mais c'est après qu'il leur a dit, en fait, c'est un caillou que j'ai pris juste dans le secteur. Voilà, ça dit que leur foi, ça a activé leur foi. Donc, quand vous faites actionner votre foi, vous dominez la peur. Vous croyez que c'est possible, vous croyez que vous pouvez arriver à le faire. Et c'est là que Dieu entre en jeu aussi. Bon, quand vous croyez en Dieu, vous avez la capacité de faire beaucoup de choses. Et vous connaissez Jésus, il a dit quelque part que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez faire dépasser les montagnes. C'est pour dire le fait que quand vous croyez à quelque chose, vous devez foncer. Mais on croit qu'on va échouer, on croit que ce n'est pas possible, peut-être que ce n'est pas moi, peut-être que c'est les blancs, peut-être que ceux qui ont des diplômes, tout ça là. Donc si moi je vais aller, je vais pas réussir peut-être. Mais quand vous allez commencer par développer la foi et vous priez, ou bien quelqu'un vous donne un talisman, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui passait l'examen permis de conduire et arrivé quelqu'un, dit que là où vous devez monter en hauteur, on dit qu'il a mis un talisman. Et là, il conduisait bien, on m'a donné, c'est comme il a boto vodou. Mais là, arrivé à un moment donné, il oublie que il n'a plus le talisman, il n'a pas pris ça. Il croyait qu'il avait ça, il roulait bien. Quand il a su qu'il n'avait plus ça, il est désorganisé, il ne pouvait plus conduire. Donc il faut quelque chose sur lequel on se batte pour avancer, pour affronter nos peurs. Sinon ça ne peut pas aller. Et c'est là que la foi est vraiment importante pour nous. Si vous êtes musulman, vous devez être un bon musulman. Donnez votre vie vraiment à cela. Si vous êtes chrétien, engagez-vous avec Dieu, priez, ça va vous aider. Okay? C'est vrai que tout le monde n'est pas croyant, mais si vous n'êtes pas croyant, vous êtes athée, vous devez vous développer. Votre moi doit être développé, vous avoir confiance en vous-même. Vous devez savoir que si je veux le faire, je veux, comme je l'avais dit, définir les aspects positifs de tout ce que vous voulez faire. Voir, extrapoler, les Anglais disent magnify, extrapoler cela pour que ce soit plus visible dans votre cœur. Là, vous pouvez commencer par avancer, vous pouvez commencer par affronter les défis. Quel que soit le défi, vous allez pouvoir l'affronter et réussir. Très bien. Non, ça, ce n'est plus la peur. J'ai peur de l'argent. Là, je peux mettre dans tous mes états. Bon, oui. Merci pour cette émission. Je m'appelle Panté. Merci pour cette émission. Dans la société, parfois, les gens disent à leur prochain, je n'ai pas peur de toi. Est-ce normal? Ouais. Et ils sont nombreux, hein? Oui, au fait, il y a deux choses. Je n'ai pas peur de toi, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que je ne te crains pas? Peut-être que manque de respect, peut-être que c'est ton supérieur que tu devais respecter. Tu dis, je n'ai pas peur de toi, c'est manque de respect. Là, il faut toujours respecter les supérieurs. C'est quelqu'un qui tente de t'intimider. Maintenant, si quelqu'un veut t'intimider, là, d'accord, lui dit que je n'ai pas peur de toi, c'est pour dire que je peux t'affronter.
peu importe ce que tu veux faire, je suis prêt à t'affronter et tu ne vas pas m'intimider, quoi. Là, c'est un sentiment de courage que je mets en œuvre pour pouvoir affronter les intimidations. Et là, moi, j'encourage les gens à pouvoir le dire. Parce que si quelqu'un veut t'attaquer, te faire du mal, c'est la peur. Quel est le même, les sorciers, vous savez, c'est la peur qu'ils utilisent avant de pouvoir commettre leur forfait sur les gens. Quand quelqu'un veut t'avoir, il te rampe, il sème la peur dans ton cœur. Et quand tu as peur, tu es dépouillé de toute défense. Et là, la personne peut t'avoir. Donc, quand tu dis que je n'ai pas peur de toi, au fait pour dire que je ne cède pas à tes intimidations, peu importe ce que tu veux faire, je serai prêt à affronter. Bon, cette question, je ne sais pas à qui elle va, bon, forcément au pasteur. Peut-on avoir peur de la mort s'il est toujours dans... Est-ce qu'il y a une seule personne qui n'a pas peur de la mort? Oui, mais c'est justement sa question. Est-ce que c'est normal d'avoir peur de la mort? C'est normal d'avoir peur de la mort parce que notre vie, la mort, en fait, pourquoi on a peur de la mort? Parce que la mort ne nous avertit pas quand elle vient. Elle frappe à l'improviste et puis elle fait du mal aux gens, aux bien-aimés, nos relations. Le fait que la mort pleut, c'est ce qui fait qu'on a peur. Sinon, en réalité, tout le monde sait qu'à un moment donné, les amers, tout le monde passera les amers de la mort. Mais ce sont les effets qui nous font peur. Et si je laissais tomber mes enfants? Et si je laissais tomber ma femme? Et si je laissais tomber mes parents? Et si mes parents me laissaient tomber à un moment donné? D'autres ont peur parce que de la mort à cause de l'argent. En fait, quand je vois les émigrants, parfois certaines personnes dans la rue, ils n'ont rien à perdre, vous pouvez voir comment ils conduisent. Mais il faut voir que la personne commence à avoir au moins 100 000, 200 000 là, il va être conscient sur la route. Parce que son argent va l'interpeller à ce qu'il soit. Il sera plus correct dans ses actions. Donc, au fait, la peur de la mort, c'est logique à cause du fait que nos relations nous influencent. Nous avons peur de perdre nos bien-aimés et ce qui fait que nous avons peur. Maintenant, pour nous, certaines personnes n'ont pas peur de la mort parce qu'ils savent que leur destinée est déjà tout tracée. Ok? Par exemple, un chrétien dirait que je n'ai pas peur de la mort parce que ma vie est déjà en Christ. Même si je meurs, je dors. Souvent, les chrétiens disent qu'ils sont en train, le frère endormi. Donc, quelqu'un dit que la mort c'est un gain pour moi. Enfin, ça me ramène tout vite chez mon créateur pour passer du temps avec lui. Donc, quelqu'un qui se galvanise avec ça, il n'aura jamais peur de la mort. Dans une église, tu dis, oh la bombe, tout le monde fuit. Bonsoir à vous, vraiment votre émission m'intéresse et j'ai un petit mot. Il dit au fait qu'il ne risque rien à rien, la peur souvent nous empêche de montrer les images de notre potentialité. Donc, voilà. C'est Dominique Lucas, c'est normal. Oui. Quand tu as peur, tu limites tes capacités, tes potentialités et tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même. Et c'est pourquoi les gens sont obligés de faire les talismans dont on parlait pour pouvoir se surpasser. C'est pourquoi je dois prier quand je vais à un examen, bien, je vais passer un concours, tout ça. Je dois prier d'abord parce que j'ai besoin qu'on remonte mon moral pour que je puisse avancer. Très bien, une dernière question. Une dernière question. C'est important, vous avez dit de prendre les aspects positifs pour pouvoir surmonter la peur. Mais en étant positif, il faut être aussi réaliste. Je ne peux pas ramener, par exemple, vouloir ramener la neige parce que je suis positif, je veux à tout prix réussir à ramener ça au Togo et tout ça faire, alors qu'en réalité, on sait que ce n'est pas possible. Il faut au moins voir la réalité de la chose, être réaliste au moins dans tout cela. Oui, en fait, pour les deux, c'est qu'il faut être positif. Ok, voir les aspects positifs. Ouais. Bon, parce que parfois, être réaliste, c'est bien, mais il faut se surpasser toujours. Et quand vous vous surpassez, vous allez pouvoir... Vous savez, il y a des recherches qui ont prouvé que quand vous êtes à bout de votre souffle, c'est-à-dire que vous croyez que vous êtes fatigué, vous êtes au fait à... un tiers de vos capacités. Quand je dis que je ne peux plus avancer, que je suis bloqué, vous êtes à deux tiers de vos capacités. En réalité, c'est quoi? C'est l'instinct de survie qui fait que, qui vous dit que vous êtes fatigué, n'allez pas pour craquer. Vous devez toujours surmonter, vous devez toujours avancer. Donc, quand je place des objectifs, c'est vrai que ça doit être réaliste, mais il faut que ça me dépasse pour me pousser à bout. Si ça ne me dépasse pas, ce n'est plus, c'est trop terre à terre, je ne vais pas avancer.
Très bien. Alors, on est pratiquement à la fin. En conclusion, qu'est-ce qu'on a... En conclusion, la peur, c'est un sentiment naturel, biologique que nous avons, mais que nous devons surpasser. Comment nous devons surpasser nos peurs? D'abord, il faut peindre la situation, il faut reconnaître que j'ai peur et admettre comment est-ce que je dois faire pour pouvoir avancer. Donc, les signaux négatifs, les informations négatives que je collecte par rapport à cette peur, je les remplace par les informations positives. Si je crois qu'arriver là-bas, je vais mourir, je vais dire plutôt que qu'arriver là-bas, je vais trouver quelqu'un qui va m'orienter, quelqu'un qui peut m'aider. Dieu placera quelqu'un devant moi qui fera la différence. Donc, je crois qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, la peur viendra. Mais c'est à vous de pouvoir vous surpasser et placer les éléments positifs qui vont vous accrocher. Comme Dieu, prier, demander l'aide de Dieu, ou bien l'aide d'une tierce personne, ceux qui ne croient pas à Dieu, placez quelque chose quand même qui peut vous pousser, stimuler à vous débarrasser de la peur. Sinon, vous allez toujours rester dans la zone de confort. Et ce n'est pas bien. Très bien. Merci beaucoup à vous, pasteur Jeff Sinatom. Avant donc de remettre l'antenne, je vais vous montrer moi ma peur. J'ai peur de voir deux apprentis chauffeurs se battre. Ah, c'est pas bon. Regardez. C'est pas bon. Compris, allez, merci beaucoup à vous, Jacques, Kevin, merci à vous, merci à vous, pasteur Jeff, merci d'être passé dans cette émission. Nous espérons vous retrouver, pourquoi pas, lundi prochain autour d'un autre sujet. Voilà, merci à l'équipe technique et merci aussi à vous, chers téléspectateurs, depuis la maison. Rendez-vous demain à 16h. Au revoir. Retrouvez ce programme sur l'application TVT Live.